Amicia, elle est réveillée. Calme-toi, Amicia. Echo. Chut. On a retrouvé ta trace avec Arthur. Tu as disparu pendant 3 jours, Amicia. Tu es passée à 2 doigts de la mort. Echo. Laissez-moi. De rêver. Va voir les autres. Les rats vont bientôt sortir. Il faut allumer les feux. Non! Mais c'est pas vrai! Allez! Non! Allez, ouvre-toi, je t'en prie! Je crois que Roderick. La serrure est encore gelée. Oui. L'hiver est rude cette année. Alors, cette sieste, tu te sens mieux? Un peu. Tu as encore rêvé de lui? Oui. Je vais te préparer une décoction de millepertuis et de... Non, merci, Lucas. Il me manque, c'est tout. Je dois accepter qu'il ne reviendra pas. Comme tu veux. Bon, je vais aller voir les autres. Oh, tu peux dire à Mélie pour le... Le coffre? D'accord. Oh, Mélie va encore me dire, t'as qu'à pisser dessus. Mais il fait trop froid. Là, toi, c'est Hugo qui aurait dû te trouver. Ces objets, je me souviens de chaque endroit, chaque moment. Ça va me simplifier la vie. Ça m'a l'air bien mieux. On n'a jamais eu autant de pommes. Hugo se serait rendu malade avec ça. Et moi, je veux rester ici. Ah ouais? Et si... Et si toi t'arrêtais de vivre comme un animal? Toi aussi tu te sens seule, hein? Allez, courage. Un jour de plus. Roderick n'a toujours pas pu avancer les travaux à cause de la neige. Oh! Salut, Amicia. Salut. Ça va, vous deux? Tout va bien, oui. Arthur veut juste se tirer... Encore une fois. Tu m'emmerdes! Je veux nous garder en vie, c'est tout! Comme on a toujours fait! Hé. Hey, la nuit va tomber, il va falloir allumer les feux. Arthur, tu m'aides? Vas-y. Et la fais pas trop chier. Pourquoi je la ferais chier? Parce que t'es chiant, voilà pourquoi. Au fait, Lucas a besoin d'aide avec son coffre. Tu parles. Il veut juste me voir. Bon, quand tu veux, Amicia. Sinon...
Sinon, tu voudrais pas mettre ce coffre à l'intérieur? Ces produits ont besoin d'air. Le froid leur fait du bien. Et mes doigts? T'as pensé à mes doigts? Mélie, t'es sûre que ça va? Avec Arthur? T'inquiète pas. Il a toujours peur qu'on se fasse prendre. Il sait pas rester en place. Et toi? Ça va un peu mieux? J'essaye de m'occuper. D'ailleurs, le soir arrive, je dois allumer les feux. Force pas trop, d'accord? Oui, maman. Allez, mettons les brasiers en place. On commence par... Par celui-là. Oui, je sais. Ça fait des semaines qu'on suit la même routine, Lucia. Désolée, ça m'aide à dormir de savoir que la fosse est sécurisée la nuit. Alors, ça va? Je me sens vieille. Ah, t'es pas mal pour une vieille. Merci. Tu sais, je connais pas beaucoup ton frère, mais... Il t'aime pas bien. Tu crois? Tu nous as sauvés. Tu t'es fait prendre et tu t'es échappé. On dirait le héros d'un livre. Un héros? Mais il aurait été triste que tu partes. Ah. C'est bon. Ça suffit, j'en ai marre. Tout va bien, Roderick? Ouais, ça va. Qui va marcher? Va marcher, je te dis! Hé, du calme! Oh. Si tu casses tout! Oh. Ben voilà, ça marche! Maintenant, les brasiers resteront à leur place. La méthode Roderick. On sait pas comment, mais ça marche. Vous avez plus qu'à essayer! Tout de suite! Bon, tu prends celui-là. Je m'occupe de l'autre brasier. Quand t'es prête, on y va. Est-ce que ça va? Ben ouais. Pourquoi? C'était... intense. Ah, les coups de pied. Mon père travaillait comme ça. Il n'y a plus que moi pour suivre la tradition depuis qu'il... Bref. Et toi, ça va? Oh, ça va, ça va. Il me manque aussi. Tu sais quoi? Si on étendait encore le champ de recherche? Oh, Roderick, ça sert plus à rien. Ça fait déjà 30 jours. Allons préparer la fosse pour la nuit, d'accord? D'accord. Arthur veut t'avoir pour lui, c'est ça? Ah, la ferme. Oh, Amicia, permets à ce brigand esselé de dérober ton cœur. Va plutôt te laver, tu pues. Quel doux ménestrel tu fais. Allez, et amène bien le brasier jusqu'au bord. Tu sais, aucun rat pourra escalader cette fosse. Ce système est là pour une bonne raison. Ce système n'arrêtera pas des soldats entraînés. Arthur, Mélie est fatiguée de courir. Mélie et moi, on n'est pas comme vous. Mais peut-être que Mélie n'est pas comme toi non plus. C'est bon, j'ai compris. Je te laisse le brasier du rempart. J'allume cela. Je te jure, je l'ai poussé tout seul. Un chariot de la taille d'une vache. Mais arrête de rire, c'est pas drôle. Je t'imagine en train de pousser une vache. Je te jure, c'était héroïque. Il y avait des rats partout. Demande à Alicia. Tu vois, dis-toi qu'on a quelque chose à nous ici. Et on a besoin de gens comme toi pour le sécuriser. Je vais y penser. Voilà, c'est bon pour moi. Il y a un problème ?
avant. Merde! Merde! Il n'y en a jamais eu autant! L'échelle de l'enceinte rouge. Si on arrive à l'atteindre, on pourra rejoindre la tour. Utilise ton brasier! Je vais t'ouvrir un chemin de mon côté! Je dois atteindre l'échelle de l'enceinte rouge ou je vais mourir ici. Amicia, t'approches un brasier. Essaye de l'atteindre. D'accord, je compte sur toi. T'en vois la zone. Ça va? Oui, merci. À toi maintenant. Le brasier, de ton côté. Je te l'amène. Tu t'en sors? Ouais. Je préfère être ici que... C'est quoi ce bordel, Amicia? Ils ont déjà essayé d'entrer, mais jamais comme ça. Qu'est-ce qu'il leur prend? J'en sais rien, moi, mais... On aurait dit... une sorte d'attaque. Tu te fous de moi? C'est des rongeurs, pas l'armée anglaise. Mais ils savent ce qu'ils font. J'ai vu ça qu'une fois. Chez moi, à la maison. Merde! Je savais bien qu'on aurait dû se tirer. Amicia, je crois que c'est besoin de toi. Je m'en occupe. Je me sens pas très à l'aise. Je peux pas aller plus vite.
mérite une médaille. Allez, viens. Rejoignons les autres à l'intérieur. J'espère qu'ils vont bien. Si les rats sont entrés... Amicia, c'est plus des enfants. Ils ont l'habitude. Je ne veux plus prendre aucun risque. Je ne veux plus perdre personne. Ce que je voudrais vraiment, c'est être très loin d'ici. Bah, je suis pas magicien. Est-ce que ça va? Non. C'est quoi ce bordel? Arthur, t'as pas été mordu? Non, ça va. Faut qu'on se tire d'ici. Mais le château est fait pour résister à... Lucas, il y en a jamais eu autant. Tu vois bien que ce n'est pas une simple invasion. Par ici! Vite! Fais ce que tu dois faire. Hugo. Viens. Hugo. C'était lui. Qu'est-ce que tu fous avec cette porte? Amicia. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les rats. Il les contrôle, oui. Voilà. Avec la macula. On va sortir. Pas de panique. Le château a été pensé pour ce genre de situation. Mais non, il est foutu, ton château. Les rats passent des comptes comme dans ton beurre. Attends, je dois parler à Hugo. Je peux... Allez, passez. Non. Tu l'as, petit. Et peut-être que Vitalis te gardera à ses côtés. Hugo, non. Allez, gamin. Elle n'est plus rien pour toi. Je t'ai cherché partout. Qu'est-ce que tu attends, porteur? Passe ce satané seuil. Ne l'écoute pas, Hugo. Assez. Je vais l'offrir à tes rats. Ordure. Il s'est livré à nous parce que tu l'as trahi. Grâce à lui, Vitalis sera bientôt l'unique porteur de la macula. Quoi? Non! Hugo est le seul porteur! Était. Son sang coule maintenant dans les veines du grand inquisiteur. Ce sale chien. Amicia. Arthur, va t'assurer qu'il est bien mort. Moi, je dois parler à Hugo. Vas-y, je m'occupe de l'autre. Hugo ? Hugo, je veux seulement te parler. Il ne peut plus rien faire, Hugo. Regarde. D'accord, d'accord. Je bouge pas.
toi si tu veux. Viens. Tu m'as menti. Non. Non. Hugo. J'essayais. J'essayais de te protéger. Je t'en supplie. Tu es passé. Qu'est-ce que vous croyez faire? Je vous avais dit que j'en trouverais. Facile de vivre. Alors c'est ici que vous cachiez. Hmm.
sais pas. Ferme-la! D'accord. Arrête, s'il te plaît! Je vais les crever! Je vais brûler leur putain de bannière! Mélie, t'as aucune chance! Ah ouais? Et toi? Tu vas faire quoi? Rester ici? Mais ouvrez les yeux! Regardez! Tu te rends pas compte de ce que tu dis? Je me rends compte qu'on crève, les uns après les autres! Ils ont eu mon frère, ton père, le vôtre! Il reste plus rien! Plus rien! Elle a raison. Amicia, c'est de la folie. On est 5 contre une armée. En fait, on est beaucoup plus maintenant. Il a passé le seuil ? Oui, je crois. Et toi, Hugo, qu'est-ce que tu en dis ? Je veux sauver maman. Ça change beaucoup de choses. Quitte à ce qu'on meure, qu'est-ce qu'on a à perdre ? Nous ? Rien. Mais Vitalis, il s'attend pas à nous voir venir. Alors on y va. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Thank you.
qu'on va arriver à trouver maman? On va la sortir de là, Hugo. Bon, allez, ça suffit de traîner. Hé, attends! Elle est triste, Mélie. Elle va se calmer. Mais on peut pas l'aider. C'est pour ça qu'on est là. Pour l'aider à se venger. Et pour qu'elle reste en vie. On a le petit et les rats. On est invincible. Roderick, c'est un enfant. Mélie, calme-toi. Ces putains de rats ont bloqué l'entrée la plus sûre. Ils ont pas fait exprès, Mélie. Ils... Pas le choix. On doit tenter la grand-porte. Mais faudra faire attention. Oh, Mélie, attends! Elle est en colère contre moi? Non. Elle est... en colère, tout court. Mais... laisse-lui un peu de temps, Hugo. Vous croyez? J'espère bien, parce que ça grouille de plus en plus dans le coin. Ils sont trois, c'est risqué. Vitalis, c'est ce qu'il fait. Par la petite porte, c'est possible. C'est ce qu'il dit. À tous les coups, elle est verrouillée. Qui risque? Ils vont. Dans ce trou. Je ne sais même pas ce qui se passe vraiment dans cette foutue cathédrale. Allez, c'est le moment. Lucas, avec moi. Mélie! T'en fais pas pour ça. En attendant, on a un boulot à faire. Bon, j'y retourne. Sois prudent. Et merde! Il va les voir. Hé! Arrêtez! Je vais l'aider. Restez là. Pourvu qu'il s'en tire. Elle connaît la ville comme sa poche. Elle va les balader. Venez. Changé depuis la dernière fois. Les cloches, la cathédrale, Amicia, Vitalis est là-bas. Alors Mère doit y être aussi. Ce salaud va avoir une surprise. Il faut d'abord retrouver les autres. L'important c'est que quand elle quitte, on débarrasse de la. C'est quoi ces tremblements? C'est les rats. Voyons. Ils sont ici, juste en dessous. C'est eux qui ont tout détruit. Regardez le sol. Oh, waouh. Reste à nous. Sûr de toi? Oui. Il m'écoute. Eh ben... Personne à sa recherche. Bizarre. Le capitaine a toujours été son protégé. Vitalis a changé depuis l'arrivée du porteur. Il s'est peut-être trouvé un... Ici!
parler trop fort comme ça. Bonhomme, tu as une armée de rats. Rodrick, il faut qu'on ouvre cette herse. Je ne vois pas de levier. Je m'en occupe. À ton signal. Tout seul? Tu veux le faire? Rodrick, à toi de jouer. D'accord. Wow. Passez. Allez vite. Attention. Vous êtes vivant! Écoutez, Vitalis se trouve à la cathédrale! D'accord, mais il y a tout un bataillon qui vient vers vous! Vous devez détaler d'ici! Prenez les escaliers! Cette maison donne de l'autre côté! Celle qui brûle, là? On ne peut pas rebrousser chemin! Partez! On vous retrouve de l'autre côté! Faites attention! La maison! Allez! Oh, c'est fermé! Je vais l'enfoncer. Ah, saloperie! Tu vas voir. Regarde, qui arrive? Rodrick, à couvert. Hugo, on s'en charge. Amusez-vous bien. Amicia, regarde! Elle a survécu à tout ça? Oui, c'est une guerrière. Elle se défend. Elle est comme nous, alors? C'est vrai. C'est ta fleur. Merci, Hugo. Allons-y. Ah,
arrivera rien, je te le promets. Rodrigue, tu nous suis ? Jusqu'en enfer. Jamais. Ça doit être la sortie. Seulement, au calme pour un jour de miracle. Merci, merci. Soyez bénis. Oui, merci et bonne chance. Hé, attendez. Des flèches à couvert, des archers. Bien joué, les gars. Ouvrez l'œil, surtout. Personne doit s'approcher de la cathédrale. La cathédrale. On est sur la bonne voie. Là-bas, la herse. C'est le seul chemin. Trop dangereux. Les archers tirent à vue. On passera pas comme ça. Le chariot. Rodrigue, si on le pousse jusqu'à la herse, il nous protégera. Hugo sera à l'abri derrière. Hé ? Lâche ça, Amicia. Qu'est-ce que tu fais ? Reste derrière avec ton frère. C'est moi qui pousse. Rodrigue, laisse-moi t'aider. Ça va aller. Si tu veux aider, surveille les gardes. D'accord. D'accord, faisons ça. Cache-toi, Rodrigue ! T'en fais pas. Ça va me simplifier la vie. Pour toi.
pas mal. Pas mal du tout. Je devrais pas. Pourquoi ? Cet endroit. Je le connais trop bien. Qu'est-ce qu'il y a, Roderick ? Cette ruelle. Ah. Non. J'en étais sûr. Roderick, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas où ? Allons-y. C'est pas vrai. Roderick. Il reste plus rien. Et ils ont brûlé ta maison ? C'était la forge de mon père. C'est là que j'ai grandi. C'est là que... Je sais ce que tu ressens. Mais tu es encore là. Et tes racines, ils ne pourront jamais te les prendre. Tu as raison. Je sais qui je suis. Allez. On doit sauver votre mère. Tu vas voir, maman, elle est gentille. On partira ensemble. Et on trouvera un autre château. Ça, ce serait bien. Le chariot, Roderick. Si on le pousse jusqu'à la herse, il nous protégera. Hugo sera à l'abri derrière. Hé ! Lâche ça, Amicia. Qu'est-ce que tu fais ? Reste derrière avec ton frère. C'est moi qui pousse. Roderick, laisse-moi t'aider. Ça va aller. Si tu veux aider, surveille les gardes. D'accord. D'accord, faisons ça. Cache-toi, Roderick ! T'en fais pas pour moi, petit. Hugo sera à l'abri derrière. Hé ! Lâche ça, Amicia. Qu'est-ce que tu fais ? Reste derrière avec ton frère. C'est moi qui pousse. Roderick, laisse-moi t'aider. Ça va aller. Si tu veux aider, surveille les gardes. D'accord. D'accord, faisons ça. Cache-toi, Roderick ! T'en fais pas pour moi, petit. Restez pas là! Venez, vite! Oh mon Dieu, Roderick! Ça va un peu mieux. Je te suis. Bon. Hugo, vas-y!
à toi. Je suis désolé. Je suis désolé. Putain! Putain! Hugo, viens, il faut partir. Rester en vie et grouper. C'est pour ça que Roderick et Arthur se sont sacrifiés. Laisse-moi tranquille! Elle a raison, Mélie. Roderick. C'est fini, Hugo. Il se repose maintenant. J'en peux plus, Sera! Charogne! Dégagez de là! Ils vont nous faire passer. Ah ouais? Et comment? Comme ça. Comment tu... Hugo, dis-moi que tu vas nous aider à buter ces enfoirés. Mélie, on peut rien faire sans ton frère, Amicia. Tu comprends ça? Je vais t'aider. Et tu vas nous aider à sauver maman. D'accord. Marche est conclue. Vitalis, Amicia, il va faire une grosse bêtise. Je le sens. Une bêtise? Quel genre de... Excusez-moi, mais on est là pour le buter de toute façon, non? Il va commencer. Allons-y, Hugo. Maman est là. Il nous attendait. Lucas, Mélie, restez où vous êtes. Alors,
Hugo. Maman est là-dedans. Il nous attendait. Lucas, Mélie, restez où vous êtes. Alors, il paraît que des enfants réclament une punition. Vous allez mourir si vous descendez. Qu'importe. Amicia, il y a des rats dessous. Alors dis-leur de sortir. Vas-y. D'accord. Tu parles d'une famille? Mélie! Aidez-moi! Plus personne ne peut entrer! Vous ne voulez pas comprendre, Béatrice. Maman! Mon enfant. Hugo! Amicia! Mère! C'est Vitalis qui a fait ça? Il les a sacrifiés. Il a passé le seuil! Fuyez! Sortez d'ici! Ah, pour l'amour du ciel! Hugo! Tu es prêt? Oui, ils sont là. Alors on y va. Reste près de moi. On vient avec vous. Lâchez-la, Vitalis. C'est votre dernière chance. Hugo, ton pouvoir. Je vais bien, t'inquiète pas. Mais oui, Béatrice. C'est un élève doué. Dommage. Et pourtant, regardez-vous, marchant vers moi comme des brebis égarées vers leur berger. Ça suffit, Vitalis! Vous êtes seul! Rendez-nous notre mère, ou bien... Ou bien quoi, jeune fille? J'ai encore des choses à enseigner aux porteurs, ainsi qu'à ses amis. Vous êtes si touchant. Merci, merci pour votre candeur. Les entendez-vous? Les anges! Les anges du nouveau monde! Reculez! La lumière! J'ai vu! Viens! Lucas! Mélie! Restez là! Non! Je peux t'aider! Je peux! C'est notre sang, Mélie! D'accord! Achève-le! Rassemblez-vous et avancez! Ils les regroupent! Vous êtes venus me défier! La lumière ne les arrête pas! Moi! Moi aussi, je peux faire ça! Vraiment? Les vents! On doit essayer! C'est notre seule chance! Tamakla, couronné par le sang! C'est le sang de mon frère! Vous êtes un usurpateur! Elle a raison, Vitalis! Incroyable! Oui! Bravo, Hugo! On va lui montrer! Regardez, Béatrice. Regardez s'éteindre ce qui reste de votre vie. Laissez-les! Ce sont des enfants! Non! C'est pas vrai!
Échappez-vous donc et déferlez sur eux. Il les regroupe. Ils ne s'arrêtent pas. La lumière ne les arrête pas. Moi aussi, je peux faire ça, justement. On doit essayer. C'est notre seule chance. Vous êtes venu me défier. Moi, Vitalis Pénéphore, porteur de la brume. Incroyable. Oui, bravo, Hugo. On va lui montrer. Regardez-vous, Vitalis. Regardez. Vous avez abandonné vos fidèles. Vous avez massacré des innocents. Le vieux monde doit mourir pour que naisse. Voilà pourquoi il est là. Vous savez rien du tout. La Matilda est plus tout de vous. Elle joue avec vous. Écoutez-le. La Macula voyage dans votre sang. Elle lit dans votre cœur. Le monde que vous avez créé est un monde de chaos. Rendez-nous notre honneur. On arrive, maman. Aussi, n'est-ce pas? Mais tu en as peur! Le vrai pouvoir! Le don de soi! Amicia! Je suis l'unité! Je suis le sang des sangs! Qui relie tous les peuples! Reculez! Restez avec une courez! Redevenez un! S'élèveront vers le firmament. Oh,
Allez, on y va. Est-ce qu'on a tout? Oui, c'est tout ce qu'avait demandé Lucas. Elle va aller mieux, maman, avec ça? Ça va aller, Hugo. Elle est solide, maman, hein? Comme toi. C'est vrai. J'ai hâte qu'on retrouve un nouveau château. Eh ben, t'as pris des goûts droits, toi. On verra ce qu'on peut faire. Et il faut d'abord qu'on quitte la région. Alors, tu as pu retourner chez toi? Oui. Le nid est toujours là, mais il est vide. J'arrive pas à croire que les rats soient vraiment partis. Pourvu que ça dure. Oh, Amicia! Regarde! T'as fait ta chance au tir? Pas moi. Ma sœur, c'est la meilleure à ça. Hein, Amicia? Bon, d'accord. Allez. Bien, bien. La règle est simple. Vous avez 6 pierres, 6 tirs possibles. Il vous reste plus qu'à toucher le plus de cibles. Vous êtes prête? Prête. Allez, Amicia! La pomme est pour toi, Hugo. Tu es mon meilleur public. Oh, merci. J'avais faim. Comme d'habitude. Hé, hey, on célèbre le troisième jour sans rat aujourd'hui. Il y a une petite foire au bout de la rue. Allez, jetez un œil. Une foire? Une vraie foire? J'ai jamais vu une foire. Hugo, Lucas nous attend. On doit pas trop traîner. Mais c'est une foire! Viens! Hugo! Bon, mais on reste pas longtemps. Regardez. Oh, le petit. Oh, non. Non, petit, tu peux pas rentrer. Mais pourquoi? Parce que tu peux pas. C'est comme ça. Eh, il y a un problème? Problème? C'est qu'un gamin et sa sœur sont recherchés dans le coin. Par des gens importants. Et ici, on n'aime pas trop ça. Vous voyez? Je vois très bien. Hugo, viens. Mais... la foire. Viens. Hé, hey, Hugo. Quoi? Le premier qui arrivera au chariot gagnera 20 pommes. 20 pommes? Mais tu me battras jamais. Hein, la limace? Alors là, tu vas voir. Ah ouais? Alors à 3. 1, 2, 3. Hé! Tu peux pas me battre. D'accord, d'accord, t'as gagné. Ouais, 20 pommes. On est là, Lucas. Est-ce que tu as tout? Le millepertuis, l'aubépine, la... Oui, j'ai tout, en route. Bien. Amicia? Oui? Pourquoi il me regarde comme ça? Mélie, elle me regardait pareil. Et puis elle est partie. Parce qu'elle m'aimait plus. Hugo, elle... elle avait d'autres choses à faire. C'est pas vrai. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'elle va dormir encore longtemps? Elle doit récupérer des forces. Mais avec les herbes que vous avez achetées, elle ira vite mieux. D'accord. Hé, Hugo. Quoi? Tu me trouves jolie comme ça? Ce que t'es vilaine! Ce que t'es vilaine! Oh, vilaine? Moi? Tu ressembles à une grosse mouche! Une mouche? Ta propre sœur? Oh, cela mérite châtiment! Ah!